Bonjour les tricopines, on se retrouve donc dans la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, vous allez tricoter vos 50 mailles avec votre laine grise en n'oubliant pas de croiser ici votre laine, vos deux laines. Donc vous tricotez 50 mailles à l'endroit, ce qui correspond à notre 55e rang. Vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste deux mailles. Donc, jusqu'à ce qu'il vous reste deux mailles, vous allez tourner. Le 56e rang, vous êtes sur l'envers et vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit en n'oubliant pas de croiser ici votre laine rose. Au 57e rang, vous êtes de nouveau sur l'endroit et vous allez tricoter 48 mailles. Vous tournez, vous êtes sur l'envers et vous allez tricoter vos 48 mailles à l'endroit. Et on va se retrouver à notre 59e rang, les tricopines. Une fois que nous avons terminé, donc j'avais dit qu'on allait faire 58 rangs. Et au 59e rang, donc on fait nos 58 rangs et on va reprendre au rang numéro 1 pour former notre première feuille. Donc on reprend, on commence avec 5 mailles en gris, 1, 2, on fait exactement ce que nous avions fait pour le premier rang, 2, 3, 4, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles avec notre couleur grise. Et regardez, je croise, je fais passer mon gris vers la gauche et je prends ma laine rose et je vais tricoter 37 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37. On vérifie s'il nous reste bien 10 mailles gris ici. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Et je tourne. Et maintenant, c'est notre deuxième rang et on va tricoter 16 mailles à l'endroit en rose. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc, n'hésitez pas à vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 16 et je tourne. Je suis à mon troisième rang. Et maintenant, je tricote 14 mailles. 1, 2. Donc, la première maille, nous ne la tricotons pas, mais on la compte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et on tourne. Nous sommes à notre quatrième rang et on tricote 12 mailles, toujours en rose, pour moi donc, et vous bien sûr, ce sera la couleur que vous aurez choisie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Cinquième rang, on tourne. Et maintenant, nous allons tricoter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On tourne. Nous sommes à notre sixième rang et on tricote 8 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne, on est à notre septième rang et nous allons tricoter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tourne, huitième rang et on tricote 4 mailles. 1, 2, 3 et 4. On tourne, neuvième rang. Maintenant, nous allons tricoter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On tourne, dixième rang. Nous allons tricoter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On tourne notre onzième rang. Nous allons tricoter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tourne, douzième rang, nous allons tricoter 10 mailles. Toujours avec la couleur rose, 2, 3, pardon, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pardon, 8, 9 et 10. On tourne. Nous sommes à notre 13e rang et on va tricoter 14 mailles. À notre 13e rang, on va tricoter 12. Alors, je pense qu'on a déjà tricoté 12. Alors, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc 13e rang, on tricote 12 mailles les tricopines. 13e rang, 14e rang, on va tricoter 14 mailles. Donc 14e rang, 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. 15e rang, décidément, 15e rang, nous allons tricoter 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et on tricote une maille gris et on tourne. Alors, notre 16e rang, on va tricoter
nos mailles en rose, nous allons les tricoter en rose, c'est-à-dire 37 mailles en rose. Donc la première maille, nous ne la comptons pas. On tricote jusqu'à nous, jusqu'ici, regardez. Alors j'ai ma laine qui s'est totalement emmêlée jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles. Donc on tricote en rose. Vous devrez avoir beaucoup moins de nœuds, les tricopines, parce que moi, dans la façon dont je suis installée, donc c'est pas assez pratique. Voilà. Donc regardez, je passe ma laine rose ici, comme ceci, regardez, et je prends ma laine grise, je la passe derrière et je tricote 1, 2, 3, 4, 5 mailles en gris, voilà. Maintenant les tricopines, vous allez tricoter. Alors, je vais vous expliquer oralement. Vous allez tricoter tout en gris jusqu'à ce qu'il vous reste 6 mailles au sommet. Vous vous souvenez, nous avions ici, on avait laissé 4 mailles en attente au sommet de notre bonnet. Et maintenant, donc, vous allez tricoter. Alors, ça correspond à votre 17e rang. Vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'à ce qu'il vous reste 6 mailles, ce qui nous fait à peu près 48, 49, 50, 51, 52, 53, non, 48, 46 mailles. Vous allez tricoter 46 mailles en gris. 46 mailles, ça fait 50 mailles. 48 mailles, non, c'est ça, 48. 46 mailles. 46 plus 6, 52. Voilà, excusez-moi. Vous allez tricoter 46 mailles en gris et vous allez tourner. Vous allez tricoter 18e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit en gris. 19e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles jusqu'en haut en gris. 20e rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles en gris et on va se retrouver à notre 21e rang pour former notre deuxième feuille. Voilà les tricopines, nous sommes à notre 21e rang et nous allons former notre deuxième feuille. Donc, pour cela, nous allons tricoter 8 mailles en gris. Une, deux, une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7 et 8. 8 mailles en gris et nous allons tricoter. On prend notre laine gris rose. Et avec notre laine rose, donc n'oubliez pas de croiser, nous allons tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Huit, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt, vingt-et-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, 25, 26, alors je vais vous voir si c'est correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, nous avons tricoté 26 mailles et on tourne. C'est notre 22e rang. Et nous allons tricoter 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 16 et je tourne. Je suis à mon 23e rang et nous allons tricoter 14 mailles. Donc c'est très très simple les tricopines, mais moi comme j'ai envie de vous dire le numéro du rang que nous faisons, donc c'est pour ça que je m'embrouille un petit peu. Mais une fois que vous avez compris le mécanisme, ça va tout seul. C'est très très simple. 1, 2, 3, 4. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 et je tourne. 23e rang, je vais tricoter 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le 24e rang, nous allons tricoter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles. Le 25e rang, nous allons tricoter 8 mailles. Donc toujours avec notre couleur rose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Et je tourne. Le 26e rang, nous allons tricoter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je tourne. Le 27e rang, nous allons tricoter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et je tourne. 4 mailles correspond à 1 au centre de ma feuille. Et maintenant, 28e rang, nous allons faire 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et je tourne. Le 29e rang, nous allons faire 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. 30e rang, nous allons faire 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous tournons et le 31e rang, nous allons faire 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Je tourne le 32e rang. Nous allons faire 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je tourne le 33e rang. Nous allons faire 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mailles. Et je tourne. Et nous sommes à notre 34e rang. Et nous allons tricoter 14 plus 2, donc 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et notre 16e maille est de couleur gris. Et nous tournons. Et nous avons fait. Nous sommes à notre 35e rang. Regardez, nous sommes sur l'envers. Nous avons terminé notre deuxième feuille. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles. Donc, mes mailles en rose, je les tricote en rose. Voilà, et maintenant, regardez, je croise mes mailles, donc la rose vers la gauche, je prends ma laine grise que je passe derrière et je tricote mes 8 mailles. Avec ma couleur grise, voilà. Maintenant, nous allons travailler avec notre couleur gris. Donc vous allez voir que votre bonnet va tourner comme ceci les tricopines. Donc c'est tout à fait normal parce que ici, regardez, on forme en même temps le sommet du bonnet. Donc voilà, donc c'est normal, vous vous retrouvez comme ça. Alors maintenant, je vais vous expliquer oralement. Alors normalement, je ne sais pas si vous vous souvenez, à notre 36e rang, quand on l'avait fait, on avait laissé 6 mailles en attente ici au sommet. Et on avait tourné. Par contre là, donc ce rang, nous allons tricoter 50 mailles. Nous sommes sur l'endroit, c'est notre 36e rang, mais il ne va pas correspondre au premier 36e rang que nous avions fait ici. Donc là, nous allons laisser 2 mailles en attente. Donc nous tricotons 50 mailles. 37e rang, vous allez retricoter 50 mailles, vous êtes sur l'envers. 38e rang, vous allez tricoter 48 mailles. Vous allez tricoter 48 mailles, vous allez tourner et vous allez retricoter ces 48 mailles avec la couleur grise. Et on va se retrouver, nous, au 40e rang pour former notre troisième feuille. Alors si j'ai bien expliqué les tricopines, avec la laine grise, 50 mailles, vous tournez. Vous allez tricoter vos 50 mailles. Vous tournez, vous êtes de nouveau sur l'endroit. Vous allez tricoter 50, donc 48 mailles. Vous allez tourner et vous allez retricoter ces 48 mailles toujours sur l'endroit, donc à l'endroit. Et une fois que vous avez terminé, on va se retrouver pour former donc notre
troisième feuille. Maintenant, nous sommes à notre 40e rang. Donc, la seule chose à laquelle vous devez faire attention, les tricotines, c'est ici. Donc, comme entre chaque feuille, on tricote 4 rangs avec notre couleur de base, donc la couleur grise pour moi. Alors, une fois, vous laissez 2 mailles. Une deuxième fois, vous laissez encore 2 mailles. Donc, vous laissez 4 mailles et ça correspond à 4 rangs. Maintenant, nous allons faire notre troisième feuille. Et après, quand nous allons faire notre troisième feuille, ici, donc, il va falloir qu'on laisse 6 mailles. C'est pour ça que ça ne correspond pas forcément quand je vous ai dit de reprendre au rang numéro 1. Donc, quand vous arrivez au rang numéro 1, logiquement, il doit que vous arrivez jusqu'à votre rang 36, on doit laisser 6 mailles et tourner parce que, voilà, ça ne correspond pas forcément à comment ça... Comment dire, ça correspond pas forcément parce que là, comme on tricote à chaque fois, je vous ai dit 4 rangs, donc là, il faudra juste vérifier. Ici, comme je vous ai dit, regardez, on a laissé 2 fois 2 mailles, donc on a laissé 4 mailles. Maintenant, on va former notre troisième feuille et pour cela, on va tricoter 10 mailles en gris. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors je compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça m'a fait 10 mailles. Je prends ma laine rose. Regardez, la grise est vers la gauche. Et je vais tricoter maintenant 16 mailles. 1. Là, je vais vous expliquer correctement parce que vous vous souvenez, dans la première partie, je m'étais un petit peu embrouillée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et 16. Comptez bien que vous ayez 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 16 mailles. Et je tourne. Et maintenant, je vais tricoter 14 mailles. Donc nous formons notre troisième feuille. Vous allez tricoter avec la couleur que vous avez choisie pour faire votre feuille. Et on tricote 14 mailles. Et c'est notre rang 41. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, donc 14 mailles. Et je tourne, rang 42 et je tricote 12 mailles. J'ai un contre-jour, les tricopines, je vais juste régler ça. Donc, je vous avais dit 42e rang et on tricote 12 mailles. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et je tourne. 43e rang, nous allons tricoter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 44e rang, nous allons tricoter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Et on tourne. 45e rang, nous allons tricoter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on tourne.
46e rang, nous allons tricoter 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles. Et on tourne. 47e rang, nous allons tricoter 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles plus 1. Et on tourne. Donc, nous sommes à notre 48e rang. Donc, 48e rang, on va tricoter 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Et je tourne. 49e rang, on tricote 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On tourne. Nous sommes à notre 50e rang et on va tricoter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Et je tourne. 51e rang. Nous allons tricoter 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 et 12. 52e rang, nous sommes sur l'endroit et on va tricoter 14 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et je tourne 53e rang et on tricote 16 mailles. Alors, j'arrive pas à me débarrasser de ce contre-jour, les tricotines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et la dernière maille sera une maille en gris, les tricopines, 16. On tourne et on va tricoter 16 mailles. Et maintenant, une fois que nous avons terminé nos 16 mailles, nous allons tricoter. Regardez, je passe mon fil face à moi et on va tricoter. Je passe mon gré derrière et on tricote nos 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Donc du coup, comme on a tricoté une maille ici, une maille en rose, la maille grise, donc du coup il nous reste 9 mailles. Et maintenant on tourne les tricopines et maintenant vous allez tricoter 46 mailles en gris. 46 mailles parce qu'ici on avait laissé, regardez, 4 mailles en attente. Maintenant on va laisser 6 mailles en attente. Vous allez tricoter 46 mailles. Vous allez tourner, vous allez tricoter ces 46 mailles. Vous allez tourner, vous allez tricoter vos 52 mailles entièrement. Vous allez tourner, vous êtes sur l'envers, vous allez retricoter vos 52 mailles avec votre couleur de base. Et une fois que vous avez terminé, vous allez reprendre au rang numéro 1
pour former notre première feuille et vous allez continuer ainsi. Regardez, nous avons fait un, deux, trois feuilles, un groupe de trois feuilles. Nous avons fait le deuxième groupe de trois feuilles ensemble. Maintenant, vous allez faire encore, on va faire encore sept groupes de trois feuilles. Encore sept groupes de trois feuilles et après on verra si on est bien ou pas. Vous pouvez le mesurer autour de votre tête. Si ça vous convient, c'est parfait. Si vous voulez le faire plus large, vous pouvez encore ajouter un groupe de trois feuilles. Moi, je vais en faire encore sept. Au total, ça nous fera neuf groupes de trois feuilles et on se retrouvera pour la suite. Donc, n'oubliez pas les tricopines. Donc, une fois que vous avez compris, vous n'avez même plus besoin de suivre les notes ni la vidéo, ça va aller tout seul. Moi, je me suis un petit peu par moment embrouillée parce que je voulais à tout prix vous donner le nombre, le numéro des rangs. Donc, c'est pour ça. Mais si vous ne suivez pas le numéro des rangs, le reste va vraiment, ça va tout seul. Sauf, faites attention ici. Donc, un coup, vous laissez deux mailles. La deuxième fois, vous laissez encore deux mailles en attente au sommet. Après, donc, vous allez tricoter votre feuille. Une fois que vous avez terminé votre première ou deuxième feuille, je ne sais plus à laquelle ça correspond. Et ici, regardez, quand vous allez reprendre votre laine grise et que vous devez tricoter jusqu'au bout, vous regardez, regardez ici, il nous reste donc quatre mailles. Et là, hop, vous allez en laisser six. Donc, vous allez en tricoter 46 tournées et après, vous allez aller jusqu'au bout. Donc, c'est le seul détail où vous devez faire attention de façon à ce que le sommet de notre bonnet, regardez, soit tout serré, tout petit. Voilà les tricopines. Continuez. Moi, je continue de mon côté et on se retrouve pour la suite. Voilà les tricopines. Donc, j'ai terminé de tricoter le bonnet et donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 groupe de trois feuilles, c'est-à-dire, regardez, j'ai compté que les fleurs, que les feuilles, pardon, que nous avons en haut. Là, ça nous fait, regardez, 1, 2, 3, ça nous fait un groupe de trois feuilles, le deuxième, le troisième, et j'en ai fait 9. Vous pouvez, au fur et à mesure que vous tricotez, les tricopines, le passer autour de votre tête, comme ceci, et de voir si la largeur vous convient ou pas. Vous pouvez éventuellement faire encore. Vous pouvez rajouter très bien encore une feuille ou deux ou faire un groupe de trois feuilles comme vous voulez. Et une fois que nous avons terminé, j'ai rabattu mes mailles. Regardez, j'ai fait encore deux rangs et j'ai rabattu mes mailles. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à la couture. Donc, pour coudre notre bonnet, on va, moi, je commence par le sommet. Donc, l'idéal aurait été de laisser un bout de laine assez longue. Moi, j'ai, voilà, j'ai oublié de le faire. Donc, on va joindre les deux bouts. Ça, on les rentrera après. On passe plusieurs fois afin de bien solidifier ici. Et donc, vous pouvez le coudre sur l'endroit comme sur l'envers. Ça n'a pas d'importance des tricopines. Donc, et regardez, si vous faites bien attention. Regardez, nous avons terminé avec notre petite feuille, enfin la dernière feuille ici. Et ici, comme on avait commencé avec la feuille la plus longue, et quand nous allons coudre, regardez, ça va nous faire comme une continuité. Alors, moi je vais coudre de cette façon-là, comme ça, regardez, je passe au milieu de mes mailles. Et on va continuer donc à coudre de cette façon-là jusqu'au excusez-moi. Jusqu'au bout. Et une fois que nous avons terminé, nous allons passer, regardez, vous voyez le sommet de notre bonnet, nous avons juste une toute petite ouverture. Nous allons passer notre laine comme ceci avec notre aiguille sur l'envers et on va serrer très très fort. Donc, je termine de coudre et on se retrouve pour faire le sommet. Une fois que notre couture est faite, regardez, donc ici, vous voyez, on ne voit même pas la couture.
Alors, une fois que nous avons terminé, nous allons faire le sommet de notre bonnet. Donc, on va le faire sur l'envers. Donc, on fait passer comme ceci. Notre aiguille, notre laine, un peu comme ça, autour. Voilà. Et maintenant, nous allons serrer, regardez, tirer. Nous allons bien serrer et on va essayer de coudre comme ceci, de façon à ce que ça ne s'ouvre pas, et vous regardez de façon à ce que vous ayez un joli résultat sur l'endroit. Comme ceci, vous passez votre laine 2-3 fois de façon à ce que ça ne se découpe pas, et après vous faites passer votre laine. Voilà. Et on a terminé notre béret, les tricopines. Je sais, j'ai toujours dit bonnet, mais ce n'est pas un bonnet, c'est un béret. Donc, notre béret est terminé. Voilà le résultat que nous obtenons. Et comme ça, quand on le pose... Regardez, vous devez avoir ce résultat, les tricopines. Nous avons vraiment un bonnet qui est très, très, très joli. Et vous avez vu, il est aussi simple à réaliser. Une fois que vous avez compris le mécanisme ici, la technique, après, ça va tout seul. Voilà, les tricopines, j'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je suis vraiment désolée en ce moment, j'ai du mal à répondre à vos questions, les tricopines. Donc, dans la mesure du possible, en fonction du temps que j'ai, j'essaie quand même de répondre, mais je suis vraiment, vraiment désolée, je m'en excuse. Donc, n'hésitez pas à me relancer plusieurs fois, les tricopines. Voilà, et je vous dis, donc, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très, très vite dans un nouveau tutoriel.